Nous sommes le 4 février 2024. Il est 17h et j'ouvre la cinquième présentation de la série intitulée Les Galactiques 2024, dont le thème central est la Fédération Galactique, la mise en orbite de la Lune et la création de la bulle électromagnétique autour de la Terre. Les informations que je vais partager avec vous sont de sources extraterrestres. Elles sont si radicalement différentes des informations officielles que vous serez probablement interloqué à la découverte d'une réalité spatiale que peu de personnes connaissent. Ces informations m'ont été confiées depuis le milieu de l'année 2016, par les membres d'un équipage extraterrestre d'origine pléiadienne. Le 9 octobre 2016, les premières extraterrestres à m'en parler furent Rachel, Annika et Svaru dans une conversation de groupe. 2 jours plus tard, le 11 octobre 2016, Asket à rajouter des informations, et un mois plus tard, le 12 novembre 2017, ce fut le tour de Zen. Si les dates sont précises, c'est parce que j'ai tout simplement enregistré toutes mes conversations avec eux. Il ne s'agit pas de canalisation ou de télépathie, mais bel et bien de conversations en live, à l'écrit et en audio. Je vais donc m'en tenir à ce qu'ils m'ont dit, puisque j'en ai la preuve noir sur blanc. Ce qui suit est donc ce qu'ils m'ont dit mot pour mot. C'est ce qu'ils voient de l'espace et depuis leur vaisseau spatial stationné en haute orbite terrestre. Ce qu'ils racontent est radicalement différent des connaissances que nous avons de la Lune. Sur Terre, en étudiant les caractéristiques astronomiques et les anomalies lunaires qui se sont accumulées depuis des siècles, force est de leur donner raison en constatant que de nombreux facteurs ne rencontrent pas les normes scientifiques conventionnelles. Par exemple, sa taille, son âge, les geysers, les lumières multicolores, son balancement de type hydraulique, le son de cloche qui fait penser que ce satellite est creux et les vaisseaux spatiaux filmés en train de la quitter. Tous ces éléments restent inexplicables tant que nous pensons que la Lune est un satellite naturel. Et en effet, les quatre grandes hypothèses sur ses origines sont: la fission, une partie de la Terre se serait détachée par la force de centrifuge pour former la Lune. L'accrétion, la constitution et l'augmentation du corps lunaire par accumulation de matière. L'impact, une planète plus petite nommée Théia, de la taille de Mars, serait entrée en collision avec la nôtre, et des débris éjectés en orbite se seraient agrégés pour former la Lune. La capture, la Lune provient de l'espace et elle aurait été happée par le champ gravitationnel de la Terre. D'aucuns affirmeront qu'il est impossible que la Lune soit artificielle et encore moins un vaisseau spatial, mais c'est parce qu'ils ne connaissent que deux types de manifestations matérielles, les objets que l'univers crée et les objets que les humains créent. De plus, avancer que la Lune est artificielle implique que c'est un objet qui a été pensé, conçu et fabriqué. Par conséquent, les premières questions que l'on se pose sont: où a-t-elle été construite? Par qui?
puisque, selon les connaissances terrestres, nous n'en avons pas les capacités. Donc, comment a-t-elle été construite et surtout, pourquoi ? Voici donc ce que m'ont confié mes contacts extraterrestres que je ne fais que relayer mot pour mot, pour que vous aussi vous soyez au courant. Ils disent que de nombreuses lignées extraterrestres utilisent de gigantesques vaisseaux spatiaux qui sont en fait de véritables planètes, mais artificielles. Ils les appellent des biosphères. Ces vaisseaux spatiaux sont généralement ronds, bien qu'il existe aussi d'autres formes. Je vous parlerai d'une autre biosphère de forme triangulaire dans les webinaires des 23 et 30 juin 2024. La sphère est la forme la plus pratique et la plus efficace pour un immense vaisseau qui normalement évolue uniquement dans l'espace profond. Ces énormes biosphères ne s'approchent en général pas d'une planète à cause des perturbations qu'elles provoqueraient. De plus, dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas, une sphère flotte là où on la stationne et dans le sens où elle a été positionnée. Ces très grands vaisseaux sont équipés d'un moteur et peuvent être pilotés librement dans l'espace, de manière autonome, sans avoir besoin d'orbiter autour d'un système stellaire. Mais ce sont des vaisseaux habités, bien sûr, et non des planètes. La vie n'y est pas identique. Lorsqu'ils sont pilotés, ils avancent plus lentement que de petits vaisseaux agiles. Mais la vitesse très lente fait que les extraterrestres préfèrent ne pas les utiliser et plutôt se déplacer dans l'espace en utilisant des portails solaires naturels et des systèmes de transit de trous de ver. La Lune est ce qui reste d'une biosphère qui habitait autrefois des millions d'Andromédiens, mais qui a été dévastée au cours des guerres de Tiamat. Pour découvrir ce qu'étaient ces guerres, vous pouvez consulter les replays des webinaires précédents disponibles sur la chaîne qui porte mon nom, Team Space News, sur YouTube. En résumé, les guerres de Tiamat étaient un conflit entre deux factions rivales. D'un côté, les Alliés constitués en une fédération galactique et de l'autre, un groupe de colonisateurs d'origine draco-reptilienne. Lors de ces guerres, des armes plasmiques et nucléaires ionisantes ont été utilisées, ce qui a créé un déplacement de l'ordre des planètes et la désintégration d'une planète appelée Tiamat. C'était une très grande planète composée d'eau qui faisait 80% de la taille de Neptune. Cette planète se désintégra sous les effets des ondes de choc et du déplacement de sa masse, et elle devint la ceinture d'astéroïdes. Elle orbitait entre Mars et Jupiter. Tiamat a commencé à vaciller de manière incontrôlable. Elle possédait de vastes océans jusqu'à ce qu'elle s'effondre et se désintègre. La surface de Mars a également été dévastée, forçant ses habitants à se relocaliser dans des bases souterraines. L'eau de Tiamat a fait le tour du système solaire, tombant à l'état liquide vers le Soleil, sur Terre et sur Vénus. Les choses ne gèlent pas dans l'espace comme on le dit sur Terre, car dans le vide, il n'y a pas de transfert de chaleur, de sorte que les objets conservent leur température initiale. Les eaux de Tiamat ont été principalement capturées par le Soleil, mais une grande partie a été attirée par les planètes Vénus et la Terre, où elle est tombée du ciel sous forme de pluie abondante et ininterrompue pendant un mois et demi, provoquant des inondations massives, et c'est cette masse d'eau supplémentaire qui a déstabilisé la Terre, provoquant l'inclinaison de son axe et un décalage polaire. Après que cette guerre soit terminée, avec de lourdes pertes des deux côtés,
La Fédération galactique a décidé de déplacer l'un de ses vaisseaux biosphères qui avait été endommagé par les guerres pour stabiliser la Terre, car elle s'était mise à vaciller comme l'avait fait Tiamat avant sa destruction. Cette biosphère a été appelée Luna, de nos jours la Lune. La Terre n'avait pas de Lune à cette époque, car c'est cette planète Tiamat qui servait de stabilisateur orbital. La Lune est donc une biosphère qui a été construite il y a très longtemps par des ingénieurs arcturiens sur une commande des Andromédiens dans un chantier naval d'une zone cosmique appelée le vide du Bouvier. C'est l'un des plus grands vides cosmiques et une région de l'espace intergalactique de très grande taille. Et il doit son nom à la constellation du Bouvier qui est proche, dont le Soleil est Arcturus. La construction de cette biosphère s'est donc faite dans l'espace, près de Pitola, l'une des planètes arcturiennes. La biosphère Luna est entrée dans notre système solaire Sol 13 juste avant les guerres de Tiamat et elle était utilisée par les alliés de la Fédération galactique comme base d'opération avancée. Autant dire qu'elle a subi de nombreuses attaques violentes et des pertes en vies humaines par million. Puis elle a été remorquée et placée artificiellement en orbite terrestre il y a environ 12 500 ans pour servir de contrepoids à la planète Terre, la rééquilibrer et la stabiliser. Je décrirai en détail ce à quoi ressemble la Lune vraiment dans la visioconférence numéro 6 de dimanche prochain, parce qu'aujourd'hui je souhaite vous parler des fréquences artificielles qui sont émises depuis la Lune et qui ont deux objectifs principaux. Premièrement, abaisser les fréquences terrestres pour tout ce qui vit sur Terre, les plantes, les animaux et les humains. Et deuxièmement, changer et moduler la fréquence de la magnétosphère terrestre et l'utiliser comme une barrière entourant la Terre et qui est connue sous le nom de ceinture de Van Allen. Pour mieux comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant, vous pouvez utiliser deux supports écrits. Mon livre intitulé Artificiel, qui est entièrement consacré à ce sujet et qui est disponible en ligne, et ma vidéo numéro 2, intitulée La Lune à la morphose artificielle, disponible sur ma chaîne YouTube. Il vaut mieux d'abord lire le livre qui a une approche mixte Terre-extraterrestre, puis de regarder ensuite la vidéo numéro 2, qui est uniquement extraterrestre. Et pour avoir une compréhension plus vaste du monde extraterrestre, visionnez ce webinaire et le suivant, mais aussi tous les autres webinaires qui font partie des Galactiques 2024, car ce sont 52 morceaux de puzzle purement extraterrestres qui s'imbriquent les uns avec les autres comme les couches successives d'un palimpseste dont nous lisons les profondeurs. Revenons aux fréquences lunaires. Le cœur de la Lune, qui est creuse, a des réacteurs à énergie 2.0 qui alimentent ce qui reste du vaisseau et qui fonctionne encore pour en faire la maintenance, la maintenir en place en réglant sa trajectoire et son orbite, et pour recalculer ses coordonnées pour qu'elle demeure toujours à la même place. Ce sont les moteurs centraux du vaisseau qui se situent au centre de la Lune. Mais il y a en plus 12 autres réacteurs qui se trouvent à la surface ou proches de la surface qui permettent d'alimenter des technologies de bridage des fréquences terrestres. Ces technologies ne sont pas connectées à l'énergie 2.0 des moteurs centraux qui est plus simple, plus propre et plus fiable. Sur les 12 réacteurs, 8 sont des réacteurs à eau pressurisée que l'on appelle REP. Les réacteurs de deuxième génération sur Terre qui sont entrés en service en France à partir des années 1970. Et il y a aussi 4 réacteurs qui sont des réacteurs à neutrons rapides plus modernes. Tous semblent être de facture terrienne.
aux 12 réacteurs nucléaires, les 8 réacteurs REP à eau pressurisée sont hors ligne, défaillants ou dysfonctionnels. Et parmi les 4 restants, les réacteurs à neutrons rapides, 2 sont encore fonctionnels et toujours utilisés dans le même but, alimenter les technologies de bridage et créer une bulle électromagnétique qui empêche les vaisseaux d'entrer ou de sortir. La Lune transmet une gamme de faisceaux de haute énergie qui modifie la fréquence de la magnétosphère naturelle de la Terre, créant ainsi les ceintures de radiation de Van Allen. Fréquence artificielle qui transforme et modifie la magnétosphère et abaisse également l'état vibratoire de la Terre et tout ce qui s'y trouve. Normalement, la Terre est en 50 Hz et le bridage fait descendre ses fréquences à 783 Hz. Ces faisceaux de haute énergie sont focalisés sur la magnétosphère terrestre à l'aide d'un réseau d'antennes spéciales à la surface de la Lune, qui sont visibles si vous naviguez dans l'espace autour de la Lune, mais ces antennes sont masquées au moyen d'un système dont je parlerai dans la visioconférence de la semaine prochaine, et vous n'allez certainement pas en croire vos oreilles. Mes contacts m'ont informé de ce masque lunaire, mais je n'ai jamais osé en parler, car cette partie de leur révélation est vraiment difficile à croire. Ces antennes projettent un faisceau avec une fréquence différentielle qui s'ajoute à la fréquence naturelle de la magnétosphère, créant un champ d'énergie qui enveloppe et qui entoure la Terre, servant de barrière éthérique et de bouclier à haute radiation. Bien que le faisceau d'énergie n'affecte directement que la magnétosphère, il abaisse également la fréquence globale de la Terre, selon le principe de la fréquence dominante qui dicte essentiellement que la fréquence la plus forte aura tendance à transformer toutes les autres aussi. Cela fait que tout sur Terre vibre à une fréquence inférieure à celle qui existe en dehors de la Terre. Cela fait que la Terre a un taux vibratoire existentiel lent, pesant, appelé 3D, troisième densité, 7 Hertz 83, tandis que tout ce qui se trouve à l'extérieur de la Terre a une vibration existentielle naturelle en cinquième densité, c'est-à-dire 50 Hertz. L'ensemble des basses fréquences dans lesquelles la Terre est immergée permet à différentes consciences ou âmes qui sont à des niveaux très différents de coexister dans la même réalité. Avec ce système artificiel de modulation de fréquence transmis depuis la Lune, les âmes avancées peuvent avoir une expérience de vie qui est dure et stimulante et qui ne serait pas compatible ou en accord avec la fréquence existentielle naturelle de leurs âmes hautement évoluées. Pour que cela fonctionne, il a fallu utiliser un corps biologique super résistant pour homologuer la plupart des âmes dans des conditions de vie plus ou moins égales. Le corps humain lyrien était le meilleur choix, car il est non seulement très résistant, mais il est également largement connu de tous dans ce cadran spatial. De cette façon, les âmes provenant d'innombrables espèces stellaires différentes peuvent s'unir pour vivre une expérience d'incarnation commune, courte et intense sur Terre, en tant qu'humains, et y mener des missions. Les âmes ont ainsi une incarnation pleine de défis et de difficultés, au cours de laquelle elles peuvent apprendre et découvrir en un temps record, environ 100 ans sur Terre, alors qu'elles ne progresseraient que beaucoup moins en étant incarnées dans des réalités plus conciliantes et plus confortables, avec une durée de vie de 350 à 1200 ans. Une âme peut apprendre à maîtriser les émotions et les défis et apprendre ou agir rapidement avec peu de ressources. Comment fonctionne la manifestation matérielle et comment la maîtriser ou la gérer? Les âmes sur Terre apprennent à manifester leur réalité positive et enrichissante
même si elles évoluent dans une réalité dans laquelle d'autres âmes sont à un stade moins avancé ou moins évolué. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Si vous souhaitez poser des questions, je vous laisse la parole.